Bonjour, bonsoir, bon et bon appétit, bienvenue sur Shovel Knight DLC qui vient de sortir, qui est le nouvel arc. Alors oui, ce Shovel Knight je l'ai quand même poncé, c'est un jeu que j'ai poncé évidemment offline. Je sais pas si j'ai encore les trucs, voilà, voilà, j'ai fait des trucs, Je l'ai quand même pas mal poncé, je l'ai fini quasiment à 100% et apparemment une belle... J'ai peut-être pas acheté tout acheté. Enfin bref. J'ai fait le premier arc, l'aventure de base, celle de Shovel Knight, bien sûr, qui présente l'aventure du Chevalier de la Pelle. Voilà. Le deuxième, qui est l'arc du Chevalier Plague. Plague Knight, le Chevalier de la... Plague. La peste, je vais y arriver. Le troisième arc qui présente, voilà, peste, merci. Le troisième arc qui présente le chevalier de la mort, je sais plus comment elle s'appelle, la faucheuse, qui avait tout un gros DLC sur le passé de cette personne, etc. Et là, il s'en est sur Speed. J'avais commencé à faire un petit espèce de... Je voulais regarder ce que ça donnait en speedrun, mais bon... 100 PDS. Ah oui, et je l'ai fini aussi 100 points de sauvegarde. Ah oui, non, mais ça, c'est pour les... voilà, c'était pour tous les trucs. Et du coup, nouveau DLC aujourd'hui... Enfin, non, qui n'est pas sorti aujourd'hui, mais qui est sorti il y a un ou deux mois. Qui est le DLC de l'arc de King Knights, qui a apparemment est une aventure qui est même plus longue elle-même que le jeu vidéo de base. Et DLC qui est gratuit. Si ça, c'est pas une boîte qui se fout pas de la gueule de ses... pourquoi j'ai pas de musique? Ah, mais j'ai dû couper la musique. Ah, quel con! Oh, je suis désolé! Bah oui, je me disais aussi. Ah oui, évidemment. Et à la composition, un maître, évidemment. Mint Potion, qui est... Kaufman. Jake Kaufman. Qui fait de la composition de haut niveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Cotorep. Qu'est-ce que j'ai foutu encore ce jour-là? Allez, on y va, c'est parti, nouvelle partie, on va se lancer tout de suite dans le King of Cards. King Knight, c'est parti. Qui est un sac à merde hein, dans l'histoire de base, donc je sais pas comment il va faire pour le... Ah oh. Donc je sais pas comment il va faire pour le transformer, ce personnage haut en couleur, en un personnage intéressant. Ça, j'imagine que ça va être tout le génie de ces gens. Allez, c'est parti. C'est parti pour sa caméra. Let's go. Oui. Non, oui. King of Cards. Il y a bien longtemps, ces terres encore sauvages étaient écumées par les aventuriers de légende. Tout porte à croire que la paix règne à nouveau, et de nouveaux passe-temps anodins ont fait leur apparition. Un jeu de cartes, appelé le Justus, fait fureur, et déjà un grand tournoi s'annonce. C'est le point. Trois juges du Justus président ce tournoi. Ces rois pleins de sagesse ont été choisis afin de propager la joie et l'unité. Ce tournoi intéresse King Knight au plus haut point, car si certains le considèrent comme un imbécile qui se prend pour un roi, même le dernier des imbéciles sait que celui qui vaincra les trois juges du Justus remportera un incroyable trésor et sera couronné roi des cartes. La compétition pour la couronne du Justus ne sera pas une mince affaire, mais King Knight progresse sans se décourager, afin de gagner son propre royaume. Ah, si lui porte pas bien son nom de sac à merde, alors je ne sais pas qui c'est. Yeah ! Ah putain, ah merde, je vais devoir me placer quelque part pour éviter de trop boucher... Merde ! Ah bah... où je me mets? Ah, est-ce que je me mettrais pas là? Allez, je vais me mettre là. Je pense que c'est là où je cacherai le moins de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut sauter.
on fait un dash avec X. Oh, ça va pas être... Ah non, X et B. D'accord. Ah d'accord, mais... Ah mais il a que avancer, saut et dash. D'accord. Et il tape les ennemis comme ça? Oh, d'accord, ok. Oh! Attends, et si je fais pas de direction? D'accord, donc en fait, je peux taper dans un mur et me rediriger après. Ah. D'accord. Putain, ça va pas être évident, ça. Hein. Donc ça va donner encore des grosses mécaniques. Ça, franchement... Mais excusez-moi, c'est un peu fort. On avait déjà eu ça avec les DLC de Shovel Knight, mais franchement, ils savent... Yacht Game, je les admire vraiment pour ça. Parce que ils font des travaux monstrueux. Ah, un travail monstrueux pour faire des bons jeux de qualité. Et ils le font après gratos. Oh, il y a de l'argent dans les murs. Oh. King Knight, sac à merde. C'est moi. Ah. Oh. Et du coup, là, je peux taper dans les bulles. Wow. Oh, tellement violent. Ok. Bon, bah... Le speedrun de ce jeu doit être assez... Attends, est-ce que je peux faire... Tac. Ah, je peux pas refaire un dash derrière un dash. D'accord. Donc, en fait, une fois qu'il tourne comme ça, je peux pas refaire un dash. Oh, mais putain, mais... S'énerve au tuto, ça y est. Ah, rappelez-moi le 100%, vous savez. Hop là. Oh, attendez. C'est quoi là-dedans? De la vie. D'accord. Donc il y a encore le même système de vie. Ah, j'ai que 4 vies. Hein. Ah si, je peux refaire un dash. Pourquoi j'y ai pas pris, il l'avait pas fait tout à l'heure. Ah, merde. Oh, 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 merde, là-haut. Oh, 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 oh. Tout pour l'argent, je suis King Knight, sac à merde. Je vais y arriver. Attendez. Oh. Yes. Oh, bien. Ok. Ah ouais, alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à Shovel Knight, je vais pas vous raconter nécessairement toute l'histoire, parce que... Bon, elle est pas très compliquée, hein. Mais... Plus qu'une question de complexité, en fait, c'est juste que Shovel Knight... Les arcs de Shovel Knight se passent pas sur la même... Putain, il veut pas... Attends. Il veut pas redash derrière, je comprends pas. À moins qu'il veuille que je fasse ça. Ah merde. Ok! Ok. Mais des fois il fait un dash derrière et des fois il le fait pas, je comprends pas. Non! Ça tue une bulle? Ah. Des fois il refait un dash, des fois il le fait pas, je comprends pas pourquoi. Ok. Bref. Donc oui, expliquer l'histoire de Shovel Knight sera un petit peu complexe, puisque à chaque fois, les arcs ne se passent pas dans les mêmes... au même moment. C'est-à-dire que l'histoire principale, celle de Shovel Knight, bon voilà, c'était un chevalier désabusé, qui s'est retrouvé, en fait... attendez, c'était quoi? C'était dans un royaume... Non. Je sais même pas comment réellement vous l'expliquer, parce qu'il y avait une impératrice qui était apparue, et en fait c'était son ancienne coéquipière qui s'est fait... Attendez, avant de faire ça, je vais regarder si on... C'est son ancienne amante. Ah, attends, si je baisse, je peux pas y revenir en arrière, attends. Ah. Donc la suite est en haut. Ah. Enfin, la suite n'est pas en haut. D'accord, il faut que je le touche.
Mais bref, donc la Shovel Knight, c'est le chevalier de base. QQ, la justice, c'est moi, et Schmitz. Et d'accord, c'était bien un truc bonus. Et qui, pour sauver le royaume, et par extension, après, bon, spoiler, attention, sa copine qui s'est transformée en fait en impératrice du mal, doit récupérer l'essence de chaque chevalier méchant. Donc en fait, chaque boss du jeu, il y a un boss par niveau. Et un niveau par boss. En augmentant ses pouvoirs, il y a un petit peu de trucs comme ça. Hop là. Et de traverser tous les niveaux et tuer chaque machin. Chaque DLC que nous a offert après le jeu, en fait, était l'arc de chaque boss. Et on apprend un peu plus sur l'histoire de chacun de ces boss. Enfin, désolé, c'est un petit peu confus ce que j'ai dit, mais... En tout cas, c'est là. Du coup, on a eu l'histoire de Plague Knight, qui en fait était un chevalier qui voulait être reconnu pour être un scientifique de renom, et tout ça, tout ça. On a eu... celui à la faux, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, celui à la faux. Dark Knight, non, je sais plus. Non, Dark Knight, c'était le... Allez, paf. Allez, paf. C'est quoi ces petits cœurs? Il y avait pas ça avant. Hop là. Bref, qui était du coup un chevalier, qui était un chevalier gentil, mais qui a dû... Ah, c'est comme ça que ça a mis le niveau ? Qui était un chevalier gentil et qui a dû, pour sauver un ami, je sais plus trop quoi, ou sauf quoi. Enfin bref, c'était une histoire très, très, très basique, mais bien ficelée, autour d'un chevalier qui s'est converti au mal pour le bien de ses proches et de son ami. Et voilà, et du coup là on joue King Knight qui est un sac à merde. D'accord, et donc il y a 3 médailles à récupérer par niveau. Ok, on continue. Les plaines Montmoussues. Les touffus feuillus. Quelque chose là? Non. Ok. Donc, on a les mouvements de base. Ah, je peux pas taper. Je peux pas taper sur les murs en feuilles. Ah, d'accord. Ah putain, Jake Kaufman et ses musiques. Eh bien. Enfin, ça, c'est un mec qui sait composer ça. Oh. Ok. Ok. Merde. Là. Y'a rien là-haut. Y'a rien là-haut. Alors, c'est les champions aussi pour cacher plein de trucs, hein. On va fouiller un petit peu. Un petit peu. Bien. Hop. Parce que 100% bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et... De coup... Ok. Putain, la musique est tellement bien. Moi d'abord. Ta musique est tellement bien. Ça m'arrive de la passer d'ailleurs pendant les musiques d'attente, pendant le stream. Hop là. Oh, il vole. Merde, je croyais qu'il allait tomber. Oh, j'ai déjà plus qu'un point de vie. Ok. Oh, de la vie. Oui. Salut. Ah putain, c'est vrai qu'ils volent. Oh, speedrun ici. Ici, il y a strat de speedrun. Alors, principe aussi des points... Alors ça, c'est les points de sauvegarde, comme vous l'avez vu tout à l'heure.
principe de mécanique assez marrante de ce jeu. On peut péter les points de sauvegarde pour gagner de l'argent. Bah attendez, c'est quoi? On va tester. Voilà, pour la science. Est-ce que c'est... Ah, il y a toujours cette mécanique là. Ah non! Il n'y a plus la mécanique de je peux péter les points de sauvegarde. Ah. Parce que dans, l'histoire de base, vous pouvez péter les points de sauvegarde, donc prendre un risque. Et en échange, le jeu vous donne un petit peu de... Enfin, un petit peu. Selon la difficulté du point de sauvegarde, parce que ça change en fonction des points de sauvegarde, peut vous donner plus ou moins de thunes. Yes. Non. Donc là, ils ont enlevé cette mécanique-là. D'accord. Non. Je sais pas pourquoi. C'est dommage, c'est une bonne idée, je trouve. Je suis pressé de voir ce que ça donne, les jeux de cartes. Là. En plus, là, c'est ma période jeu de cartes, parce que là, ce que j'ai... Ah, merde. Ah. J'ai fait... Voilà. Hier soir, offline... J'ai réussi à finir Book of Demons. Ah, allez, il y a un anus dans le mur. J'ai réussi à finir Book of Demons en hardcore sans perdre une seule vie. Je m'ennuie. Mais bon, je l'ai fait. C'était plutôt cool. J'avais un putain de stuff. Et puis là, je suis en train de faire des parties libres. Et après, je dis à chaque fois que j'ai le temps de rien faire. Ou le diamant du grid. Le rubis du grid. Non, c'est bon. Le fion. Et j'en ai 6. C'est bon. Ah. Fin de niveau. Non. Ah. Ok. Ok. C'est bizarre ce mur là. Et rien. Bon, pour l'instant, c'est niveau classique. Salut. Ok. On va juste avancer. Ah, les saloperies. Et là, fin de niveau. Ok. Oh, il y a les petits rats de son niveau qui le transportent. C'est trop mignon. Et alors, la chaumière. La chaumière. Ça, c'est un niveau de... Voilà. Maman ! Oh, c'est... Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez me rendre un service ? Faire une capture d'écran de ça, là-haut, là ? Et de coller la gueule de Maman dessus ? Je suis sûr qu'il a dû se faire... Il a dû se faire bien charrier pour ça. Allez, Maman ! Ou alors, ça se trouve, c'est un clin d'œil. Oh, mon petit prince, vas-tu rapporter les précieux ingrédients que je t'ai demandé ? Mère, nous ne sommes pas un prince, nous sommes un roi. Et puis mère, les rois disposent de sujets pour exécuter leurs quatre volontés. Oh mon tout petit, ce sont des rats, pas des sujets. Nos rats nous sont entièrement dévoués, ce sont nos sujets de base. Ils font partie de notre grand projet. Notre grand projet. Ah bah type... Ah mais c'est... s'explique. Nous devons remporter la couronne du Justus et être déclaré roi des cartes. Je peux pas passer. Ah, j'ai plus de batterie. Fuck. Attendez. Oh, attendez. C'est la première fois que je manque de batterie sur cette manette. Depuis que je l'ai. Nouvelle manette. Paf. Ceci est bien plus important que d'aller faire vos commissions. On ne peut régner avec le ventre vide. Mange un peu, mon chou. D'accord. Oui, maman. Une tourte à la viande. Ah, d'accord. C'est comme le système du Shovel Knight. Enfin, de l'arc Shovel Knight. Où on mange de la bouffe pour augmenter ses HP max. C'est ça? Préparé avec amour par moment. Gang permanent de un quart de santé. C'est ça. Yep, je prends. Et du coup, c'est de plus en plus cher pour augmenter sa santé. Marie ! Est-ce que tu me donnes autre chose, maman ?
Oh mon petit prince aux épaulettes en citrouille. Comme tu es beau, tu vois ça, j'ai noble roi. Mon chou, as-tu gagné un peu d'argent? J'en aurais que des pour toi. 3000, et voilà, c'est ça. Plus tard, maman. Enfin, moment. Plus tard, maman. Couche. Il y a des mécaniques plutôt sympas. Et donc, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais en même temps que... En même temps que King of Cards, ce DLC-là, est sorti aussi... Ah ouais, je suis désolé. Ce que vous ratez en bas, c'est ça. Ouais, pas grand-chose. C'est un rappel de ce que j'ai. En même temps que King of Cards, est sorti un autre DLC qui est Showdown de Chauvelet, encore une fois gratuit. Merci encore. Qui est en fait un jeu de combat avec les personnages, tous les personnages de l'univers de Shovel Knight. Un jeu de baston. C'est dingue. C'est des dingues. Gabranth Morgan. Hey Gabranth. Putain. On a le méchant d'FF12 dans le chat. Ok. Bon bah YouTube, on va faire des petites vidéos. On va faire des petites VOD. Je vais faire des petites VOD pour Shovel Knight. Du coup YouTube, j'espère que tu as kiffé. C'est le cas, évidemment, tu mets un pouce, moi je te fais un doigt, je te fais plein de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao.